chose. Oui. Mais supporter, ce n'est pas ne pas souffrir. Alors vous avez fait de nombreuses prédictions pour la fin des temps. Alors j'avais prévu à une année près la fin du communisme. Oui, la chute du mur de Berlin aussi. Oui. Hein? Vous avez écrit dans certains livres que vous... Ah, c'est Nostradamus, mais est-ce que c'est aussi la prophétie des papes selon laquelle la fin des temps, ce serait 2026? Oui, est-ce que ça vous parle? Oui, est-ce que ça vous paraît être la bonne date ou est-ce que vous êtes revenu sur cette date-là? Disons autour de, je dirais, une fourchette 2026-2030. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer... Je le mets en toutes lettres dans mon cycle de l'humanité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots astrologiquement ou numérologiquement ou astrologiquement, kabbalistiquement, comment vous pouvez affirmer qu'en 2026, la fin des temps arrivera? Non, j'ai pas dit 2026, j'ai dit une fourchette qui tourne autour de 2026-2030. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ça? Si vous vous êtes trompé, on va vous demander des comptes. Non, mais je ne serai pas là d'ailleurs. Je ne vais pas vous attendre. On ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Non. Je serai de l'autre côté du miroir. Non, mais d'abord, il faut que vous, je ne peux pas expliquer ça en 30 secondes. Il faut que vous lisiez mon cycle de l'humanité. Et là, c'est la loi des quatre âges. Et c'est le fait que si la France, si l'épopée de la France de 496 Clovis à 1792 Louis XVI dure 1296 ans, c'est le 20e de la précession des équinoxes. Tous les grands actes de l'histoire sont balisés, surtout ceux de l'Église catholique et celui de la fille aînée de l'Église avant qu'elle devienne une putain comme la France est maintenant. Tous les grands actes de l'histoire sont balisés par la précession des équinoxes. Et ça, ça a été l'apport allusif de Guéguenon et tout à fait explicite et détaillé de Paul Lecourt et de Raoul Leclerc, cet homme auquel je n'ai pas encore, je pense, assez rendu hommage. Et à partir de tous ces éléments, chacun parlait d'une façon dispersée. Et moi, j'ai fait la synthèse de tout. Et j'ai montré que tous ces gens avaient reçu, pour ainsi dire, une sorte de message du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas entièrement développé et que c'était peut-être moi, peut-être, qui avait le pouvoir, la tâche, le devoir de faire quelque chose de cohérent avec ces éléments dispersés. Et là, on arrive à la date de 1917, à la date de 1989, et puis ensuite, nous sommes maintenant, pour dire, dans la transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. L'ère du Verseau qui n'est pas du tout le New Age du syncrétisme et de l'œcuménisme de bazar. De l'occultisme, mais au contraire, qui est d'abord un grand bouleversement préalable, et ensuite. L'ouverture du millénium. C'est le millénium dont l'église apostate de Rome ne veut pas entendre parler. Alors, alors qu'elle est en toutes lettres dans tous les pères de l'église, en particulier dans Saint-Irénée. On va conseiller, je crois, à tous les auditeurs de se reporter à Voli pour approfondir ce que vous nous avez dit pendant cette émission. J'espère.